un livre choc qui a pour titre Le Sénat, enquête sur les super privilégiés de la République, aux éditions du Rocher. Le livre sort la semaine prochaine. Ivan Stefanovitch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, élection sénatoriale le 21 septembre. Ivan Stefanovitch, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat ? 1260. Oui. Et ils gagnent entre 2300 et 20 000 euros par mois mensuels. Ils ont la semaine de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Entre 2300 et 20 000 euros par mois. 20 000 euros, j'imagine, c'est le questeur ou non ? Voilà. Non, pas le questeur, c'est le secrétaire général du Sénat ou le secrétaire général de la, la question. Ce sont les nounous des sénateurs. Oui, d'accord. Les nounous, ce sont eux qui organisent l'administration du Sénat, c'est cela. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Comme un questeur à l'Assemblée nationale, quoi, un peu. Tout à fait. Hein, tout bien. Tout à fait. Alors, de 2300 à 20 000 euros par mois, femme de ménage, jardinier et chauffeur compris. Voilà, avec prime de nuit. Avec prime de nuit. Systématique. Ah bon, bon, bon. Même quand on travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Alors, même quand on ne travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Oui, oui, la prime de nuit est une institution. Au Sénat est une institution systématique, vous la touchez systématiquement, quelle que soit votre fonction, voilà. Bon. Pour les fonctionnaires, 32 heures par semaine. Oui. On n'en est pas à 35 heures là, hein. 32 heures. C'est dépassé. C'est-à-dire que travailler plus pour gagner plus, ça ne vaut pas pour le Sénat, quoi. Ah non, ça le slogan sur lequel a été élu M. Sarkozy, c'est-à-dire les valeurs de travail et de justice sociale pour les retraites, ça c'est inconnu au Sénat. Oui, près de 4 mois de vacances pour tous. Oui, c'est ça. Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, hein, 11 540 euros net par mois. Oui, d'indemnité, dont la moitié est fiscalisable, puisque c'est considéré comme des frais. Mais en plus, ils ont des tas de choses, ils ont la RATP, la Air France, la SNCF, c'est gratuit. Et puis ils ont curieusement une prime de 1000 euros par mois de prime informatique, ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ouvrir facilement un magasin d'informatique, parce qu'à 1000 euros par mois pour une prime informatique, c'est... Oui, ils peuvent s'acheter un ordinateur par mois, quoi. À peu près. Ouais. Et puis ils ont des taux pour acheter des logements, des taux très réduits. La différence avec l'Assemblée, c'est qu'à l'Assemblée, ils travaillent. Et les gens connaissent leurs députés. Mais la plupart des Français connaissent même pas leurs sénateurs. Oui, parce que vous avez enquêté, seuls 90 sénateurs sur 343 sont assidus. Oui, oui. 120 ne sont là qu'à temps partiel, et les autres ne mettent quasiment jamais les pieds au Sénat. Oui, oui, mais ça se répartit entre gauche et droite. Parfait. Ouais. Or, normalement, la loi et le règlement du Sénat disent que si on est à 100, 3, 4 fois, on doit supprimer les indemnités. Ouais. Comme aux États-Unis, on fait ça en Angleterre, en Allemagne. Or, chez nous, la loi, ni la droite ni la gauche ne demande l'application de cette loi. Il y en a un, par exemple, qui ne met pratiquement jamais les pieds au Sénat, c'est Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est un des spécialistes de l'absentéisme. Oui, d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin dit qui lui est là toutes les semaines, dit que si Jean-Noël Guérini démissionnait du Sénat, on s'en apercevrait pas. Oui, bon. Je vois aussi dans votre livre que la Cour des comptes n'a pas droit de regard sur le Sénat. Non, c'est au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Le président de l'Assemblée nationale a accepté récemment que la Cour des comptes vienne mettre son nez. Mais au Sénat, il n'en est pas question, puisqu'on a 3 questeurs, 2 de droite, 1 de gauche, les grands argentiers du Sénat. Et ils distribuent ce que nous, contribuables, nous payons, c'est-à-dire 300 millions d'euros par an pour le Sénat, c'est fait dans l'opacité la plus totale. Ouais. Voilà. Les retraites. C'est légal. Et tout ça est légal. Les retraites, un mandat de 6 ans de sénateur donne droit à une pension de 1869 euros. Hein. Bah, c'est M. Delannoy qui a été sénateur 6 ans. Il a tenu sa promesse quand il est arrivé maire de Paris en 2001. Il a dit il démissionne. Mais il oublie de dire qu'à l'âge de 60 ans, c'est-à-dire si je calcule bien en 2012, il aura 1869 euros par mois de retraite. Quand on compare avec le salarié moyen du privé français qui lui a cotisé non pas 6 ans, mais 40 ans, et qui aura 1500 euros par mois. De retraite moyenne. Et il faut dire que la moitié des sénateurs sont fonctionnaires. Ouais. Donc ils touchent en plus des retraites de fonctionnaires. Des retraites de fonctionnaires. C'est pas mal. Mais je conseille aux auditrices qui nous écoutent d'épouser un sénateur. Aussi parce que c'est le plus fort taux de reversion. Si vous êtes dans le public et le privé, quand votre conjoint meurt, en général c'est les hommes avant, là, dans le privé, les femmes ont droit, les veuves ont droit à 54%,
Et dans le public, dans la fonction publique, c'est entre 50 et 60. Et ben, chez les sénateurs, c'est 66%. Et vous avez comme ça une sénateur de l'Orne qui s'appelle Nathalie Goulet, qui était assistante de son sénateur. Puis qu'il l'a épousé, il est mort, le pauvre homme. Eh bien, elle touche non seulement 11 540 euros par mois, mais elle touche en plus 6 000 euros la retraite de son mari. Et quand vous comparez qu'un sénateur, on a attaqué les conducteurs de TGV, les gens de la RATP, etc., parce qu'ils gagnaient, notamment les conducteurs de TGV, 60% de 4 800 euros par mois pour 25 ans de cotisation. Mais là, j'ai dit 15 ans de cotisation, un sénateur, il touche 4 000 euros. Voilà. Ouais, bah, bien, merci à lire dans votre livre, donc qui sort la semaine prochaine. Je vous le conseille, Le Sénat, enquête sur les super privilégiés de la République aux éditions du Rocher. Merci, Ivan Stefanovic. Merci. Merci. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, Ferre, Carousse, Liesse et Bombance, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups.